Alexandre dit toujours que la peinture parle de lui, qu'elle est autobiographique, même s'il ne se représente jamais dans ses tableaux, et que ce travail d'expérimentation qu'il mène en permanence témoigne de son quotidien et de tout ce qu'il veut faire avec ses toiles, ou quand il les manie, quand il les peint à l'envers, sur le sol, au mur, etc. Le travail aussi avec les assistants qu'il mène un petit peu en chef d'orchestre. Et donc c'est vraiment son quotidien qui est témoigné par ses œuvres, dont les sujets sont issus de photographies. Donc il projette au mur et après va commencer un vrai travail pictural sur la matière, les couleurs, puisque finalement la question du sujet est résolue.